Bon, bonjour. La vidéo de l'intérieur, vidéo numéro 2. Alors, je vous remonte encore la plateforme en arrière, est quand même très grande. Quand on pêche, c'est très agréable. Il y a un vivier ici, en dessous d'un siège. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, avec une pompe. Est très profonde. Je me suis toujours demandé pourquoi il y en avait une là. Il y en a un autre ici. Il y a quand même une très bonne grandeur. Une belle mandaniche de 5-6 livres, ça rentre là-dedans. La table à coupe. Hop! Un leader. Je m'en suis jamais servi. Il n'y a pas de gaffing après, il n'y a rien. Les racks de perche. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai. C'est un canon-là que j'ai installé. Je vais refermer le vivier en dessous du siège. Je vais déposer le téléphone. Désolé. Donc, vue de l'arrière, c'est ça que ça donne. Siège capitaine qui pivote. En grandeur. Les deux autres sièges. Un petit peu jauni par le soleil. Mais. Il n'y a pas de déchirure, il n'y a absolument rien. Les coutures sont superbement belles. Les côtés. J'ai mis la plaque du downrigger. La radio. Et la petite radio VHS. Les cadrans sont probablement très semblables aux vôtres. Les lumières de courtoisie, tout fonctionne. Le petit coffre à gants. Avec les clés dedans. On va parler des tapis, s'ils s'enlèvent très, 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 très facilement. Oh, j'ai oublié de vous montrer les coffres. Mes cordages là-dedans. Les tapis, c'est des tapis qui sont très lourds. Ils sont en caoutchouc. Ça glisse pas. Il n'y a pas de snap. C'est merveilleux. Ils sont faciles à installer. Ils sont faciles à enlever. Ils sont très, très faciles à installer aussi. Un autre coffre ici. Ça doit mesurer 24, ça doit mesurer 48 pouces, certain. Non, 36. Le mât pour la toile de transport. Le mât de navigation. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Les petits coffres. Il y en a 4. Je vais aller vous montrer la cabine. C'est l'emplacement pour mettre la toilette.
Le toit, comme je vous ai expliqué, les micas sont flambant neufs. C'est un toit campeur à grandeur. La cabine est excessivement propre. Et les coussins sont vraiment, vraiment de première qualité. C'est un fond dur. Ils sont très confortables. On n'a jamais couché notre bateau. Il n'y a pas de tâches, absolument pas. Les petits coussins. Et voilà. En dessous des grands coussins, il y a des coffres. Comme vous pouvez voir, ça brille. Je m'en suis jamais servi. Les petits coussins à leur place. Ma femme aime bien ces petits coussins-là. Les haut-parleurs des deux côtés. Il y a des tapis partout. Je m'excuse pour le sable, mais on est sur la 107. C'est très poussiéreux au printemps. Fait que c'est pas mal ça, le bateau. Et juste, comme je vous expliquais, là, un peu de jaune là, ici. Mais je présume que... Si vous voulez, ceux-là sont blanc, 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 immaculés. Les deux. Deux espaces de batterie. Et c'est tout. J'ai un set de filage neuf avec le cap de distributeur. Je vais le laisser dedans. J'ai pas mal fait le tout. Alors, je vous envoie ça dans quelques minutes. Merci.